extra classe. Extra, 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 extra. Classe, classe. Extra classe, extra classe.
Extra classe. Bonjour et merci de nous rejoindre pour cet épisode en direct de Parlons Pratique. Nous sommes Hélène Audard et Régis Forgione en direct du 95e congrès de l'AGEM qui nous accueille à Boulazac, à quelques encablures de Périgueux. C'est l'Association Générale des Enseignants des Écoles et Classes Maternelles Publiques, une vénérable organisation centenaire, hein, c'est pas rien, et qui cette année propose la thématique « Vive le temps de l'école maternelle ». Ça tombe plutôt bien car tout le mois de juillet, Extra Classe va prendre le temps de s'intéresser à la maternelle avec des épisodes des énergies scolaires et ce Parlons Pratique. Nous sommes en live sur YouTube, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Pour cet épisode particulier, donc en direct du congrès de l'AGEM, nous nous penchons sur le temps de et le temps à l'école maternelle. Le temps dans toutes ses dimensions, celui vécu par les enfants, le temps social de l'école et celui que les jeunes élèves de maternelle vont apprendre à construire grâce au langage, mais aussi au récit ou encore à l'observation de la nature. Plusieurs invités vont se relayer au micro. Pour ceux qui sont sur le direct, vous les voyez déjà à notre micro pour cette table ouverte. Nous allons parler de ce sujet. Nous allons commencer par oser prendre le temps du bien-être avec vous, Brigitte Munch. Bonjour. Alors, vous êtes professeur de philosophie, psychologue, psychothérapeute en aptonomie. Vous êtes spécialiste des questions relatives au développement affectif et membre du conseil scientifique de l'AGEM. Alors, quand on parle du temps, on parle de plusieurs choses. Comment vous définiriez ces différentes dimensions du temps ? Eh bien, il y a un temps objectif que nous connaissons tous, qui est celui dans lequel nous pouvons nous rencontrer, qui est le temps de la matière. C'est-à-dire le temps que nous avons l'habitude de scander en secondes, en minutes, en heures, etc., qui nous permet de nous retrouver, mais qui n'est pas le temps de la conscience. À l'intérieur de nous, nous vivons dans un autre temps qui est le temps de nos impressions. Le temps peut nous paraître extraordinairement long quand on attend quelqu'un qu'on aime et extraordinairement court quand on a rejoint cette personne. C'est un temps qui est défini par nos vécus affectifs. Et puis il y a un troisième temps, et c'est celui-là qui nous intéresse le plus ici, parce qu'il est souvent méconnu et oublié, c'est le temps de la rencontre. C'est les moments suspendus de la vie qui laissent des traces inaltérables en nous et qui sont liés à un moment de communion, de compréhension mutuelle très fort avec un autre être, quelquefois même avec un paysage ou avec une œuvre d'art, etc., etc., qui laisse des traces dans une autre forme de mémoire qu'on appelle une mémoire affective, qui est plus de l'ordre du souvenir et qui détermine notre manière de vivre. Donc si on ne voit pas comment un enfant, dans quel type de temps est un enfant, s'il est dans ce type de temps intérieur et qu'on ne le laisse pas vivre ce moment-là, c'est une forme de violence éducative. Et si à l'inverse on respecte ce temps intérieur, ce temps de la rencontre, ben on crée avec lui des liens extraordinaires qui soutiennent la pédagogie. Pardon. Sonia Sauté-Cournil, bonjour. Bonjour. Alors, si je ne dis pas de bêtises, vous êtes enseignante à l'école maternelle du Lardin-Saint-Lazare en Dordogne. C'est bien ça. Et vous avez des toutes petites sections et des petites sections. C'est bien cela. Et donc, vous travaillez cette année autour d'un projet sur l'accueil. Je vais faire mon naïf et demander ce que vous entendez par accueil. C'est ce fameux temps le matin où on accueille les élèves. Alors c'est ce qu'on peut penser quand on est enseignant et on se rend compte que accueillir un enfant, on l'accueille toute la journée, du matin à son départ le soir. C'est toutes les attentions qu'on va lui donner, c'est accueillir un moment difficile pour lui. L'accueil, c'est l'échange. C'est du temps partagé, c'est un échange qui peut être individualisé, prendre le temps de passer du temps avec nos élèves. Vous avez travaillé donc cette année toutes les deux avec d'autres enseignantes aussi sur un projet donc autour de l'accueil. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots, Brigitte Munch, par rapport aux objectifs ? Qu'est-ce que vous souhaitiez faire passer, faire travailler ? Bien, comme le thème du congrès est prévu, était le temps, et que cette équipe m'a sollicité pour que nous travaillions justement sur une manière différente de concevoir le temps de la classe. Il y a les injonctions de programmes, d'emploi du temps, etc. Et puis à l'intérieur de ça, ben justement, il y a la rencontre entre l'enseignant et chaque enfant. Et les très jeunes enfants ont besoin de se sentir reconnus, accueillis et reconnus de manière très régulière tout au long de l'école maternelle.
par l'adulte, sinon ils sont pris dans une masse et ils sont rendus anonymes et souvent ils n'ont pas la sécurité affective qui leur permet de rester ouverts, curieux et de participer. Voilà. Donc on est parti sur cette idée et on a mis en œuvre ça tout au long de l'année. Sonia, on sait le foisonnement d'une classe de maternelle pour qui a juste pu observer même quelques minutes ce qui peut s'y passer. Et on a l'impression que l'enseignante de maternelle, elle doit être multitâche, elle doit faire mille choses à la fois. Enfin, c'est le cas. Et il y a cette notion de prendre le temps, de s'occuper de chacun individuellement. Comment on rend les choses compatibles quelque part ? C'est justement cette mission qui est importante pour nous les enseignants. Et apprendre à ne pas multiplier les tâches. Quand on est avec un enfant, on doit lui accorder notre attention entière et complète. On ne peut pas répondre à un adulte qui se trouve à côté tout en faisant travailler un groupe d'enfants. L'attention, elle doit être portée à chacun, à un instant T. Ça veut dire, Brigitte Munch aussi, organiser le temps de la journée, de la semaine, peut-être même jusque l'année, pour prendre en compte les besoins des enfants, une autre organisation du temps. Je dirais c'est plutôt laisser des espaces vacants à l'intérieur de l'organisation du temps. Laisser des espaces de disponibilité qui permettent à l'enfant de se manifester. Trop souvent, on attend de lui qu'il réponde à nos attentes, à nos injonctions pédagogiques, alors qu'un très jeune enfant a besoin d'exprimer ce que ça lui fait, à lui, de vivre ce qu'on lui propose de vivre, que ce soit peindre, apprendre, dessiner, etc. C'est laisser l'espace pour que l'enfant s'adresse à nous et nous manifeste son extraordinaire créativité et une intelligence qui dépasse l'intelligence purement corticale, purement cognitive. Sonia Sauté-Cournil, quand vous êtes en classe, enfin, j'imagine, en tout cas quand on débute dans le métier, on voit très souvent ces fameuses cases, je pense à ça, on parle d'emploi du temps, vous savez, on est voilà, de telle heure à telle heure, telle c'est partie. Ça. Et il y a des transitions plus ou moins souples, mais ce sont des cases assez contraintes. J'ai l'impression que c'est antinomique avec votre approche, non ? Oui, effectivement, il faut être un peu plus souple sur la notion de temps. Quand un enfant a un besoin, un instant T, il faut lui répondre. Quand un groupe d'enfants nous questionne sur un élément qui est important, il faut lui répondre à ce moment-là. On ne peut pas passer à l'activité prévue initialement, à l'activité de mathématiques par exemple. Qu'est-ce qui se joue particulièrement en maternelle ? Parce que cette approche que vous proposez, finalement, on pourrait l'imaginer à tous les niveaux, pour tous les enseignants. Là, on est axé sur cette période très particulière de la maternelle, sur des âges, en fait, où d'un âge à l'autre, on peut imaginer que les réactions sont très différentes, que l'évolution des enfants est très rapide. Donc, qu'est-ce qui se joue là ? Moi, je dirais que la spécificité de l'école maternelle, c'est qu'on est avant l'âge de raison. C'est-à-dire que le langage n'est pas encore un langage de dialogue entre deux subjectivités. Il faut que nous accueillions, ce que dit Sonia, il faut que nous accueillions l'enfant dans ce qu'il est en train de vivre. Parce qu'il ne peut pas le différer et il ne peut pas encore le mettre au regard de ce que demande l'adulte. Il n'est pas encore capable de se décentrer à ce point. Et ça, aujourd'hui, on demande ce décentrement, on le demande dès l'âge de 4 ans, alors qu'on sait très bien, depuis Piaget, et toutes les neurosciences le confirment, que l'enfant n'en est pas capable avant 7 ans. Donc il s'agit d'accueillir pour pouvoir créer la complicité affective qui va permettre la suite. Sonia, est-ce que c'est dans cette complicité qui se joue avec les élèves que l'enseignant doit aussi aborder un certain lâcher prise? On a l'impression que les structures habituelles sont un peu plus lâches, qu'il faut prendre le temps justement de tisser tout ça. Qu'est-ce que ce projet il a transformé pour vous dans vos pratiques professionnelles? Alors les pratiques, quand on échange avec Brigitte Munch, je vous assure que vos pratiques professionnelles changent, parce qu'elles font qu'on s'interroge beaucoup sur ces pratiques et qu'on regarde notre classe avec un autre œil, et on prend le temps d'observer la classe, ce que je ne faisais pas quotidiennement auparavant. Là, je prends le temps de lâcher prise, de lâcher ma pratique professionnelle pour regarder ce qui se passe et pour ajuster justement quotidiennement, être au mieux, au plus près de chaque enfant,
au plus près du groupe classe aussi. Et l'important se trouve là. Sonia, merci beaucoup. En fait, on fait une table tournante et on va laisser la place à une nouvelle invitée qui pour poursuivre sur cette thématique. Brigitte Münch, pendant que notre prochaine invitée s'installe, en fait, vous nous disiez finalement que ce qui se jouait là, ça avait un impact sur toute la scolarité ensuite, en fait, que c'était... C'est maintenant que ça se passe finalement, au moment de la maternelle. Oui, tout à fait. Et de ce point de vue-là, la problématique du temps est vraiment importante parce que je crois que l'idée, c'est de pouvoir éventuellement faire ce qu'on appelle habituellement perdre du temps, qui n'est pas perdu d'ailleurs, pour en gagner. Refuser de prendre en compte la sécurité affective de l'enfant dans la relation avec l'enseignant dès les premières années de l'école, c'est se préparer à des difficultés par la suite. Parce que les enfants restent sur cette frustration. Si au contraire on répond à ce besoin, l'enfant est apaisé et il va être beaucoup plus ouvert à ce qu'on voudra lui transmettre. Et paradoxalement, plus capable d'accepter les contraintes. Nous avons parlé donc de l'importance de prendre le temps avec les enfants. Et avec notre prochaine invitée, on va plutôt parler maintenant de prendre le temps avec les parents. Exactement, on reçoit donc au micro maintenant Charlène Shields. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur des écoles en toute petite section à l'école maternelle de La Crayère à Épernay et vous avez mené un projet, notamment avec Brigitte Münch, pour créer des temps partagés avec les parents, c'est ça ? C'est ça. Alors l'année dernière, en fait, on a participé à une recherche-action avec Brigitte Münch pour, en travaillant sur l'aménagement de l'espace pour le bien-être des tout-petits. Donc on a fait évoluer l'espace en fonction des besoins. Et on s'est rendu compte, donc on avait répondu aux besoins cognitifs, aux besoins moteurs, aux besoins sociaux, etc. Mais on s'est dit, il manque quand même quelque chose au niveau des besoins affectifs. Et on s'est questionné sur le temps des parents. Donc c'est pour ça que cette année, la recherche s'est plus basée sur le temps des parents. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça s'est déroulé sur l'année. Il y a eu différentes étapes, alors rapidement. Donc il y a eu trois temps. Donc au début de l'année, le premier temps consistait à apprendre à connaître les parents. Donc pour ça, on a réalisé un questionnaire avec notre éducatrice jeunes enfants, l'enseignante qui était normalement sur le poste, donc Sandrine Grévitry, qui a participé à la recherche l'année dernière. Et on a créé ce questionnaire qu'on a fait passer en entretien individuel. Donc, c'était pas un questionnaire, à proprement dit. Et on a recueilli, en fait, leur vision de l'école, mais aussi leur vécu scolaire à eux et leurs attentes par rapport à l'école, etc., ce qu'ils voulaient faire dans la classe. Et à partir de ça, toute l'année, on a proposé des interventions, donc avec mon ATSEM qui était partant aussi parce que c'est très important, des interventions, donc des moments en classe, des sorties, un projet imagé qu'on a réalisé avec Clémence Gouache, etc. Et à la fin de l'année, donc il y a ce troisième temps où on a évalué l'impact de ces interventions sur leur vision de l'école, sur leurs craintes, etc. Et on a vu qu'il y avait un changement par rapport à ces interventions. On a vu qu'au début, j'avais 52% des parents qui avaient des craintes au niveau scolaire, donc différentes craintes. Et à la fin, on s'est retrouvé à 11%. Donc c'est qu'il y a eu un bel impact sur leur vision de l'école. Et pour le coup, donc c'est un projet de recherche-action, donc basé sur des données. Là où parfois on est plus juste sur du ressenti, on se dit voilà, je vais transformer ma pratique professionnelle à partir de ça. Là, il y a des données concrètes. Vous dites bon, c'est des questionnaires, mais on les a vus, on sent que voilà, c'est quelque chose de travaillé et que vous pouvez pour le coup vous appuyer dessus pour un peu transformer vos pratiques par la suite. C'est ça l'idée aussi ? C'est ça. En fait, à partir de ces questionnaires-là, donc il y avait ces questionnaires de début d'année et de fin d'année. Et après chaque intervention, il y avait aussi un petit questionnaire où on leur demandait ce que ça avait apporté aux parents. Et moi aussi, j'avais un tableau d'observation de l'enfant, parce que c'est avant tout pour le bien-être des enfants qu'on a fait ça, pour voir un petit peu s'il y avait eu un impact. Donc par exemple, j'ai une petite qui refusait de faire de la peinture, et une fois que sa maman est venue au mois de novembre pour faire de la peinture avec elle, et ben hop, elle s'est mise à en faire après, et sur toute l'année. Et donc on se dit, c'est super quoi. C'est dès qu'ils ont confiance en nous parce que le parent est rentré dans la classe, là on sait qu'il y a quelque chose de gagné. Et donc j'ai fait des statistiques justement pour pouvoir comparer. Et aussi par rapport aux différents moyens de communication qu'on a dans la classe, donc des petites boîtes de langage, des sacs à histoire, etc., des cahiers de vie, pour savoir en fait ce que ça leur avait apporté, est-ce que ça leur a permis de faire partager ça à leur famille ou de comprendre ce que leur enfant
enfants apprenaient, etc. Et à partir de là, je vois à quoi sert tel outil. Et à partir de ça, je vais pouvoir aussi modifier chaque outil pour essayer de remonter un petit peu ce que ça leur apporte, quoi. Alors on sait que dans ces problématiques de coéducation, c'est pas simple de faire venir les parents, surtout de manière assez régulière. Et il y a aussi un problème d'emploi du temps, tout simplement. Parfois, c'est compliqué pour eux aussi de s'investir. Donc, comment vous avez travaillé ça? Parce que vous avez eu des résultats assez spectaculaires. Je crois que vous avez peut-être 75% des parents qui sont venus à un moment ou à un autre. C'est ça, j'ai eu presque 80% des parents qui sont venus au moins une fois dans l'année. Et en fait, j'ai fait en fonction aussi de leur horaire de travail, parce que il y a beaucoup de parents qui ne travaillaient pas, donc c'était plus facile aussi pour moi. Mais pour ceux qui travaillaient, je sais qu'ils ne travaillaient pas forcément avant 9h. Donc hop, dès 8h20, on installait tout avec mon ADSEM et on disait aux parents, on fait telle activité à 8h20, même si vous restez 20 minutes, vous restez 20 minutes, mais au moins vous avez partagé un petit temps avec nous, vous avez un petit peu vu ce qui se passait dans la classe, et ça, c'était déjà gagné, et eux, en plus, ils se sont sentis aussi inclus dans tout ça, et ça les a aidés aussi à revenir à d'autres temps après, plus tard. Brigitte Munch, dans vos travaux, vous parlez de qualité de présence, elle est aussi là, la qualité de présence avec les parents autour de l'enfant et l'enseignant de l'autre côté ? Oui, c'est un tabouret à trois pieds. Il y a l'enseignant, les enfants et les familles. Si on exclut les familles, c'est insécurisant pour l'enfant. Et vous dites très bien que c'est la présence des parents apporte cette fameuse sécurité affective qui fait que l'enfant adhère beaucoup plus à ce qu'on lui propose. Et ça devrait entrer dans les objectifs de l'école, notamment maternelle, que d'intégrer les familles de plein de manières. Parce que ça, c'est très important, ça fait tomber la peur de l'école. Nous avons des mémoires de nos propres vécus qui font que beaucoup de parents sont inquiets pour leurs enfants quant à la réussite. Et ça, ce type d'initiative désamorce ces peurs. On est vraiment là, si je devais résumer un peu cette partie, dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est entre guillemets perdre du temps au petit âge pour en gagner sur toute la scolarité et même au-delà de la scolarité, sur la qualité personnelle des élèves et même des personnes qu'il y a derrière ces élèves. C'est un peu... Dirais prendre le temps de résoudre les conflits ou les difficultés au moment où elles se présentent est un gain immense pour la suite. Merci beaucoup à toutes les deux. On va passer à un deuxième temps de cette émission autour du temps. Maintenant, peut-être on peut le construire dans les apprentissages avec notamment la littérature, avec les récits, les histoires. Et pour cela, nous accueillons Véronique Boiron. On lui laisse le temps de s'installer. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors vous êtes formatrice à l'INSPE de l'Académie de Bordeaux, chercheuse au sein du laboratoire Lab E3D et membre du conseil scientifique de l'AGEN. Exactement. Alors une première question pour vous Véronique. On parle naïvement peut-être de construire le temps. Ça signifie quelque chose ? Oui, ça signifie quelque chose... Et en même temps, c'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire que l'enfant a des relations avec le temps sans en avoir la conscience, parce qu'il vit des expériences. C'est-à-dire, il vit l'expérience d'attendre quand il est bébé, il attend qu'on vienne le chercher dans son berceau, qu'on lui donne à manger, voilà. Et puis il va avoir des expériences plus ou moins heureuses d'attente quand il rentre à l'école maternelle, c'est-à-dire il va devoir attendre son tour, attendre pour parler, attendre pour jouer alors qu'il en meurt d'envie, mais on lui demande d'attendre un peu parce qu'il a des choses à faire avant. Et donc c'est à travers ces expériences qu'il a, il ressent des choses agréables, plus ou moins désagréables. Et en fait, en parlant avec lui de ça et en lui lisant des albums, par exemple, on va lui permettre de mettre en mots ce qu'il ressent, ses sensations, ses ressentis. Et surtout, il va comprendre que c'est partagé, c'est-à-dire que les autres enfants aussi connaissent l'ennui, aussi savent ce que c'est attendre, aussi savent ce que c'est que grandir, même si ce n'est pas la même chose pour un petit enfant de 3 ans et un enfant qui a 5 ou 6 ans, par exemple.
Donc ça se construit par l'expérience personnelle et aussi par le partage avec les autres. Oui. Ça se construit aussi parce que les enseignants vont mettre en place. Et donc vous avez travaillé sur une recherche action cette année, oui, je crois. Donc oui. Vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots. Oui. Alors j'ai travaillé avec trois collègues dans trois classes maternelles différentes, écoles maternelles différentes, en milieu très défavorisé. Et on a beaucoup réfléchi à ce qui était en fait des évidences de l'école maternelle, c'est-à-dire, alors je parle de mon domaine et de cette recherche action en particulier, par exemple des lectures d'albums qui sont presque toujours collectives. Et on a un peu interrogé cette évidence en se disant finalement, dans ces lectures collectives, qui a le temps de comprendre, qui a le temps de parler, qui a le temps de s'émerveiller. Et donc on a réfléchi à mettre en place des lectures avec des tout petits groupes, et les collègues au fil de l'année ont entendu des enfants qui n'entendaient jamais parler s'exprimer, et puis ils ont aussi proposé des relectures régulières d'une même histoire, parce qu'en fait ce qui est un problème, c'est qu'en proposant toujours des choses nouvelles, en zappant, pour le dire comme ça, toujours, et bien les enfants n'ont jamais le temps justement de s'approprier, de comprendre qu'il y a plusieurs compréhensions, qu'il y a des moments où on ressent quelque chose de très fort pour un personnage et à une relecture 3-4 jours après, eh bien on s'attache plutôt à un autre personnage. Donc on a beaucoup interrogé cette course en avant perpétuelle dans de la nouveauté et plutôt d'installer des moments où on prend le temps de réécouter, de réentendre, parce qu'on n'a pas non plus de la même attention tout le temps. Donc un enfant aussi a le droit à un moment d'avoir décroché. Et puis, si on lui propose une relecture, il peut à nouveau l'investir. Voilà. On sait que c'est un grand plaisir des enfants qu'on leur re-raconte, oui, les histoires des oui, dizaines et des dizaines, exactement, de fois. Donc, il y a aussi quelque chose dans le fait qu'ils construisent, ils connaissent l'histoire et ils anticipent. Exactement. Et donc, dites-nous un petit peu ce qui se joue, en fait, dans ces relectures successives. Alors, on n'entend pas du tout la même chose et on ne comprend pas du tout la même chose quand on connaît la chute, par exemple. C'est-à-dire que si on sait que ça se passe bien, je prends l'exemple de l'album Bébé Chouette, à la première lecture, tant que les enfants ne savent pas que la maman chouette va revenir auprès de ses petits, eh bien ils sont dans une forme d'inquiétude, les enfants. Et une fois qu'ils savent qu'elle revient, à la relecture, ils vont même se moquer un peu des personnages en disant « Ah non, mais ce sont des bébés, ils pleurent, ils ont peur. » En gros, moi, ça y est, j'ai passé cette étape-là et je peux jouer de cette peur. Et donc, ça met cette peur à distance et ça fait que les enfants n'ont pas peur des histoires. La relecture permet, à chaque fois qu'on relit, mais comme quand on revoit un film plusieurs fois, on voit des choses nouvelles, on entend des choses nouvelles, ou on croit, on pensait avoir compris quelque chose et en réécoutant, on se dit « Ah ben non, finalement, ce n'est pas tout à fait comme ça. » Voilà, c'est ça que ça permet, les relectures. Et est-ce qu'il y a ce transfert, on sent qu'ils vivent les choses, oui, à travers la fiction, oui, et le transfert dans leur vie réelle, mmh, quotidienne, avec leurs émotions au-delà de l'art et de la littérature, il se fait aussi pour le coup ? Bien sûr, parce qu'en fait ils construisent l'altérité, ils construisent l'humanité, c'est-à-dire ils se rendent compte que quand ils ont peur avec les copains dans la classe, ils se disent « Ah ben oui, finalement, les autres aussi ont peur ». Quand ils rient tous ensemble, ils se rendent compte que les autres aussi rient. Et donc, dans leur vie quotidienne, ça les aide à comprendre que voilà, tout va bien, voilà, puisque les autres ressentent la même chose, ont les mêmes émotions. Donc, ça, c'est un puissant moteur de développement chez l'enfant, de sa vie affective, de sa vie psychique, de la vie sociale, bien sûr. Il y a aussi il y a le travail sur les récits et puis le travail sur le langage en lui-même, comment il exprime le temps, comment il peut exprimer les différentes dimensions du temps, donc la chronologie, la durée, le rythme, etc. Mmh. C'est aussi un gros travail qu'ont à faire les enseignants de maternelle, oui. Ça c'est un gros travail parce que quand ils arrivent à 3 ans en petite section, les enfants sont dans le temps présent. C'est-à-dire que le langage accompagne les gestes, les actions, ce qu'ils sont en train de faire. Et quand ils vont quitter la grande section, ils auront construit, grâce aux enseignants de la maternelle, le langage du récit, ce qu'on appelle langage d'évocation. C'est-à-dire qu'ils seront capables de parler de ce qui n'est plus, de ce qu'ils ont fait une heure avant, puis la veille, puis une semaine avant, puis un mois avant. Et puis ils vont commencer à aussi être capables de parler de ce qui n'est pas encore. Et donc c'est ça que permet le langage, c'est de sortir de l'ici et maintenant.
Et ça, c'est une immense aventure intellectuelle, langagière et intellectuelle, immense. Et l'aspect recherche-action, donc l'accompagnement des enseignants et enseignantes que vous suivez, concrètement, ça se passe comment? Vous vous voyez régulièrement? Ils vous racontent ce qui se passe en classe? Documenter tout ça. Avec une collègue aussi chercheuse, on est allé voir plusieurs fois les collègues dans leur classe. En fait, le but de la recherche-action, c'est de partir de ce que font les enseignants dans leur classe. Et essayer avec eux, on débriefe tout de suite après et à nouveau le lendemain. Et on essaye de les amener à parler de ce qu'ils savent faire, de leur professionnalité. Et donc de mettre à distance cette professionnalité. Et puis, en créant un groupe, bien sûr, il y a des échanges de pratiques qui se font, c'est-à-dire que les enseignants se rendent compte que le collègue du village à côté, il ne fait pas tout à fait la même chose. Et ça a l'air drôlement intéressant. Et donc, tout le monde bouge, les places bougent sans cesse au cours des recherches-actions. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au bout d'un moment, nous, les chercheurs, ça nous échappe, c'est-à-dire que les enseignants s'emparent de nos propositions en les ayant interprétées et en les adaptant à leur classe. Et ils font des choses qui nous-mêmes nous étonnent. C'est-à-dire, voilà, on se dit, on est arrivé à produire ça, mais c'est eux qui le font, hein, bien sûr. Et votre œil de chercheuse, il est alors focalisé, l'objectif, évidemment, c'est l'enfant, mais sur les évolutions professionnels, évidemment, dans les gestes professionnels des enseignants. Mais vous leur faites ces retours aussi? Tout le temps. D'accord. Tout le temps. Oui. On discute beaucoup. Et ça les nourrit. Voilà. Et ils disent bien, ils présenteront cette recherche-action demain matin et ils diront bien les changements professionnels. Et puis surtout, ils vont, je pense, parler beaucoup de la réflexivité, c'est-à-dire le fait que ça rétroagit sur eux, leurs pensées, parce que ce sont des intellectuels, les enseignants, donc ça rétroagit sur leurs pensées. Merci beaucoup Véronique. Mais merci à vous d'avoir partagé donc les résultats, enfin les effets aussi de cette recherche-action avec nous. Nous avons donc parlé du temps de l'enfant, de la classe, et on va peut-être s'inscrire dans un temps plus long qui va être à la fois celui de l'histoire, mais de l'histoire dans une plus grande chronologie, la place de l'enfant dans un temps long, la place dans le monde aussi. Alors, c'est le sens des deux projets dont nous allons maintenant parler, avec deux nouvelles invitées, Cécile Grasset. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes professeure des écoles, vous êtes en petite... Alors, vous avez une classe multiniveau, alors, hein, c'est ça? Alors, j'ai une classe de petite section, moyenne section et grande section. J'ai 31 élèves dans un village qui s'appelle Saint-Martial-de-Valette. En Dordogne, bien sûr, puisque c'est quand même le point commun. En Dordogne, exactement. d'une grande partie de nos invités aujourd'hui. Pensez, mesdames, à bien parler près du micro. On reçoit aussi Hélène Zavatin, bonjour. Alors, vous êtes enseignante en maternelle également, évidemment, à Prigonrieux, près de Bergerac. J'espère. C'est ça, oui. J'ai réussi à le dire. Bravo. Alors, Hélène Zavatin, vous, c'est un projet autour de e-twinning, autour peut-être plutôt de la place de l'enfant dans le monde. C'est ça. Mais vous allez nous dire aussi quel rapport il pouvait avoir avec le temps. Eh bien déjà, c'est un projet sur plusieurs mois et puis ça prépare le futur citoyen de demain. Et donc voilà, c'est plusieurs facettes du temps finalement. Voilà. On va échanger autour de vos deux projets. Cécile, vous, c'est un projet autour de l'éducation au développement durable qui semble être... finalement partout, dans les programmes, dans toutes les têtes, mais pas forcément pratiqué partout. Voilà, tout à fait. On peut vraiment se questionner sur quelles activités mettre en place pour rendre nos élèves, nos petits élèves, éco-responsables. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on faut réfléchir. Nous, les enseignants, c'est aussi notre travail de réfléchir à ces situations-là. Et dans les deux cas, en fait, c'est une réflexion aussi sur la relation de cause à effet pour des tout petits comme ça, comprendre l'impact qu'ils ont sur le monde, la façon dont ils se situent par rapport aux autres. Donc, Hélène, votre projet, dites-nous un petit peu comment il s'est déroulé, ce que vous avez travaillé. Alors, moi, je souhaitais développer les compétences linguistiques et culturelles, s'ouvrir à l'autre, découvrir d'autres langues, voilà. Et je l'ai fait donc à travers un projet e-twinning. Avec plein de modalités, si j'ai bien compris, c'est-à-dire à la fois des rencontres par différents biais et dans différentes temporalités du coup.
complètement. Voilà, c'est pour ça que c'était un projet très intéressant pour travailler sur le temps. Et donc, nous avons beaucoup travaillé avec une collègue de Roumanie, avec une classe de Roumanie. Donc, tout ce pan-là du projet était via la plateforme eTwinning. Mais c'est vrai que je me suis aussi élargie avec d'autres moyens de communication et puis en m'appuyant aussi sur des élèves de la classe, voilà. Par exemple, un petit Marocain qui nous a appris à compter 1, 2, 3 en marocain. Et puis le papa s'est enregistré, on a pu s'appuyer sur son enregistrement. Donc voilà, c'est une ouverture aux familles aussi. Cécile, vous, l'aboutissement de votre projet, je vais le dire comme ça, c'est la protection d'un animal en particulier qui fait plutôt peur, qui vit la nuit. Comment vous en êtes arrivé là? Je donne la fin pour que vous nous expliquiez un peu depuis le début. Alors voilà, donc mon projet, c'était d'essayer de faire prendre conscience aux enfants d'abord qu'il y avait une biodiversité animale nocturne, ce qui n'est pas forcément évident pour eux puisqu'ils ne vivent pas forcément la nuit. Pour eux, la nuit, c'est un monde imaginaire, c'est un monde peuplé de loups-garous, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein, ce sont leurs premières conceptions finalement de loups-garous, de morts-vivants même. Donc c'est un peu étonnant, ils ont des conceptions assez faussées alors qu'ils vivent à la campagne, ils vivent dans un parc naturel régional qui est incroyable. Et donc mon travail a été essayer déjà de faire en sorte qu'ils soient conscients de cette biodiversité animale. Donc évidemment, oui, on a parlé d'animaux comme la chauve-souris, on en parlera à la fin, mais aussi de renards, de cerfs, etc. Voilà. Donc voilà, mais je continue donc alors par rapport à ça. Donc ma démarche en fait a été une démarche un peu d'investigation scientifique, avec différentes phases. Donc la première phase, c'était la phase de familiarisation autour de la nuit, puisqu'on va parler de la nuit, des animaux de la nuit. Donc qu'est-ce que c'est que la nuit? Qu'est-ce que c'est le noir? Et donc les enfants ont des peurs ancestrales, ont des peurs de l'obscurité, ce qui est tout à fait logique. Je ne suis pas une grande spécialiste des peurs, mais c'est une peur archaïque que l'on a. Voilà. Donc on a essayé de travailler sur cette peur-là, avant de travailler sur les animaux. Et donc ensuite... Donc, pour travailler sur cette peur, en réalité, j'ai réfléchi à une cabane de la nuit et du noir. Donc, j'ai demandé à mes élèves de chercher dans la classe un lieu qui était très sombre. Et à partir de là, tout est parti. En fait, c'est eux qui ont trouvé toutes les idées. C'est ce que disait Madame Boiron tout à l'heure. J'ai tiré les ficelles de leurs idées. Et donc, on a construit cette cabane du noir en agrafant des tissus, en peignant. Et dans cette cabane, ils allaient jouer, ils allaient lire des livres avec des odeurs, écouter des sons, etc. C'était leur cabane à eux. Donc, pour appréhender le noir. Et ça a fonctionné. Et cet espace est devenu un espace à part entière de ma classe, que j'inscrivais dans mon cahier journal, d'ailleurs, puisque c'était un lieu d'apprentissage. Ça, c'était la première phase de familiarisation. Voilà. Donc, on voit que c'est des projets qui se déroulent sur des temps assez longs, finalement. Hein. Vous étiez sur l'année, toutes les deux? Tout à fait. Ouais. Et c'est important, ça, que pour construire, justement, pour grandir, construire ce sentiment de d'éco-responsabilité dans un cas, de citoyenneté dans l'autre, que ça se fasse dans la durée, ça a besoin de ce temps-là? Tout à fait, oui. Et c'est d'autant plus riche qu'on prend justement le temps, on revient sur ce projet plusieurs fois dans l'année, ça mûrit, les choses se construisent lentement, mais sûrement, je rajouterai. Alors, pour ma part, Saint-Martial, en fait, c'est un projet qui est sur 3 ans, en lien avec des partenaires et avec un travail autour des déchets. Sur la première année, ensuite un travail autour de la biodiversité nocturne et ensuite un travail autour de l'eau. Et toute l'école fait partie de ce projet, donc on travaille de la maternelle jusqu'au CM2. Voilà, c'est important que ce soit dès le départ. Donc les élèves vont suivre, c'est les mêmes élèves en fait, finalement ce sont les mêmes élèves qui participent à ce projet, qui créent ce projet finalement. Et ce sont et les partenaires avec qui on travaille, donc par exemple le parc naturel régional, Périgord-Limousin, travaille avec toute l'école. Hélène Zavatin, pardon. J'ai envie de dire le pitch de votre projet, en tout cas on a vu ça sur la présentation de vos affiches, c'est comment développer la curiosité, la motivation et faire des élèves des citoyens de demain. Comment? En développant évidemment leur curiosité et la curiosité des autres. Déjà prendre conscience qu'il existe d'autres langues,
ils n'en ont pas forcément conscience quand ils sont petits. Et prendre plaisir à essayer de répéter d'autres langues. C'est un vrai bonheur dans la classe. Et aussi préparer des outils pour l'autre en tenant compte de, justement de ce barrage de la langue. Et donc en réfléchissant à d'autres moyens de communication, enfin, en s'appuyant sur le visuel, en réfléchissant à l'articulation, aux gestes, voilà, il y a eu toute une réflexion. Et donc la communication non verbale est aussi importante, et c'est ça aussi qui est important. Ils prennent conscience petit à petit de tout cela, finalement. Et voilà. Ce rapport à l'autre qui est loin physiquement, oui. Qui est décalé dans le temps pour le coup, hein, puisqu'il y a des échanges d'audio, de vidéo. À la fois dans l'espace et dans le temps. Qu'est-ce que ça change dans l'altérité à l'autre et au maintenant, qui est leur camarade en classe? Alors en fait, le plus grand changement qu'il y a eu dans ma classe, c'est que moi j'avais commencé à travailler la diversité linguistique en début d'année, l'éveil à la diversité linguistique, juste à partir de supports que l'on a dans des bouquins. Et... en écoutant d'autres langues, les enfants riaient. Et petit à petit, ces rires ont disparu et il y a eu une écoute attentive. Voilà, ils essayaient de percevoir des choses, de reconnaître des mots qu'ils avaient déjà entendus. Ils répétaient, enfin, ils jubilaient quand ils pouvaient répéter des mots. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important pour moi. Cécile Grasset, je vais vous poser un peu la même question. Vous êtes donné comme objectif de construire, en tout cas de sensibiliser à une éco-responsabilité. Alors comment vous en êtes arrivé comment vous avez réussi à susciter ça chez des tout-petits? Oui, parce que je voulais que ça vienne d'eux, que ça ne vienne pas de moi. Donc petit à petit, je voulais que cette petite graine qui était semée, arrive à pousser toute seule, hein, que leurs pensées finalement, les pensées qui étaient fausses au départ, arrivent à devenir de vraies pensées pour être acteur dans son parc, être éco-responsable. Donc en fait, je continue cette phase d'investigation, puisque dans la démarche scientifique, il y a plusieurs phases. Donc on a fait appel pour prouver aux enfants qu'il y avait vraiment des animaux nocturnes, excusez-moi. On a fait appel à un partenaire qui s'appelle le Parc Naturel Régional. Donc il y a eu des intervenants qui sont venus dans la classe. Et donc ces intervenants nous ont montré des vidéos où ils avaient filmé des animaux la nuit, par exemple. Donc les enfants pensaient qu'il y avait des méchants loups qui allaient les manger la nuit, et finalement là ils se sont rendus compte qu'il y avait des renards, des genettes, un animal qu'on ne connaît pas forcément, hein, des genettes qui passaient chez nous pas loin, des cerfs, etc. Donc là on commençait à être plus près de la vérité. Voilà, et donc ensuite, ça va être terminé, je peux aller... Non, allez-y, voilà. Prenez votre temps. Donc ensuite, après avoir fait en sorte de voir qu'ils étaient présents, on a essayé de déterminer avec les intervenants leurs besoins, finalement. Qu'est-ce que mange un renard? Un renard, il mange des poules, il mange des souris, il mange des insectes, mais il ne mange pas d'enfants. Donc on revient, voilà. Une bonne nouvelle. Oui, voilà, mais pour eux, c'est important de savoir. Et ensuite, on est allé avec ce parc-là, on a travaillé sur ce qui gêne les animaux. Ici, qu'est-ce qui les empêche de bien se développer? Voilà, donc je peux aller jusque-là si vous voulez. Ben oui, tout à fait. Donc, donc avec les enfants, un des intervenants leur a expliqué qu'il allait dans des endroits dans le parc chercher les chauves-souris. Donc avec sa petite lampe, il les cherchait partout. Donc nous, on a vécu ça en classe. Il nous a fait vivre la recherche et le comptage des chauves-souris dans la classe avec des fausses petites chauves-souris. Donc on a compté les chauves-souris. Il leur a expliqué que les chauves-souris, il y en avait de moins en moins, que c'était très compliqué pour elles de vivre parce qu'il y avait beaucoup de lampadaire allumé, je vais pas expliquer tout ça, mais c'est un petit peu plus long. Il y a une pollution lumineuse finalement qui existe, et que si on diminue cette pollution lumineuse, eh bien les chauves-souris vont pouvoir mieux se développer, et comme elles peuvent moins nicher, on est arrivé à construire des nichoirs pour les chauves-souris. Voilà, et donc on devient des préservateurs de la biodiversité nocturne. Ça, c'est un des exemples. Sur un animal qui fait peur. Sur un animal qui fait peur. Et d'ailleurs, ça s'atteste avec les dessins. Au départ, les dessins sont des dessins de monstres. Et petit à petit, ce sont des vrais dessins de chauves-souris classiques. Voilà. Je vais répondre à une question. Enfin, je vais répondre. Je vais soumettre et répondre. C'est vrai. Il y a une question qu'on a eue dans le chat. Quelqu'un qui nous dit « Salut chaleureux à tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'enfant soit performant dans la classe et que ses résultats soient très bons ?» Moi, j'ai une réponse, c'est du temps.
Oui, c'est exactement ça. Je ne saurais pas quoi lui répondre d'autre. Qu'est-ce que peut-être ça veut dire que être très bon. Pas d'autres questions ? Pas de questions dans le chat, en tout cas. On rappelle que ceux qui nous regardent en direct peuvent poser leurs questions, donc n'hésitez pas. Alors vous savez, vous ne savez pas peut-être, mais souvent on termine cette émission par un temps d'inspiration. On vous demande quelque chose qui vous a inspiré, quelle que soit sa nature, et que vous auriez envie de partager avec nos auditeurs et auditrices. Alors je commence avec Cécile, parce que Cécile, elle était au courant, alors que Hélène, je ne l'avais pas prévenue. Je lui laisse le temps de réfléchir. Alors moi, il y a énormément de choses qui m'ont inspiré, mais vraiment... Tout m'a inspirée, j'allais dire. Après, je voudrais parler peut-être d'un outil en particulier en classe qui est très utile, je pense, pour toutes les maîtresses de maternelle. C'est ce qu'on appelle le mur sonore, qu'on trouve chez Easytis, un petit peu de pub, mais c'est vraiment très efficace. Donc, sur ce mur sonore, on peut s'enregistrer, enregistrer des voix d'enfants, des animaux, etc. Il sert de support à la pédagogie, donc dans toutes les pédagogies. Donc, c'est vraiment un outil très efficace qui peut servir dans tous les domaines de l'école maternelle. Et parler du temps. Qui passe, puisque c'est ce que j'ai fait du coup dans ma classe, puisqu'on a parlé du temps avec cet outil-là. Oui, on en a vu deux exemples. On a vu le vôtre, effectivement, ouais. Et un autre exemple dans l'agora du congrès, où là, les enfants disaient ce qu'ils voulaient faire plus tard, ce qu'ils feraient quand ils seraient grands. Exactement. Voilà, je pense que c'est un outil qui vraiment correspond à cette classe d'âge. Hélène, est-ce que vous avez une inspiration qui vous vient ? À propos du congrès, si j'ai bien compris. Ou sur la thématique. Fait, moi, j'ai pas trop eu le temps de circuler. Mais par contre, ce qui m'inspire, c'est les échanges qu'il y a entre les collègues. J'ai fait des rencontres, là, des gens qui ont envie de communiquer sur des thématiques du congrès et de notre métier. Donc voilà, on s'échange des adresses mail et je trouve ça magique. Conclusion, venez tous au congrès, c'est un grand temps d'inspiration. Oui, tout à fait. Clairement, on le voit autour de nous. Oui. Un grand merci à toutes les deux. Merci à vous. Et aux invités précédentes qui se sont suivies sur cette table ronde. Notre temps est écoulé, Hélène. Elle est facile, je sais bien. Mais en forme de conclusion, je crois qu'on ne peut que égrainer des espèces de vérités générales sur... Enfin, il faut prendre le temps. Oui, c'est ce que disaient les enfants ce matin, lors du spectacle. Perdre du temps pour en gagner, tout ça sont finalement, en vous écoutant, des vérités du quotidien pour à mettre mieux en faire pratique apprendre. Maintenant. Exactement. Ce qui n'est pas le plus simple. Un très grand merci également à l'AGEM et à sa présidente Maryse Chrétien qui nous a très très bien accueillis, nous deux, tous les Régis et moi, et toute l'équipe Extra Classe. Le temps de la maternelle, un épisode Parlons Pratique préparé et animé par Hélène Audard et Régis Forgione. Enregistrement, montage et mixage Simon Gattegno. Coordination de production Luc Taramini, Hervé Thury et Magali Devance. Directrice de publication Marie-Caroline Missire. Suivez-nous sur extraclasse.réseau-canopée.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie. Une production Réseau Canopée 2022. Extra classe.